ravi que tu aies accepté mon invitation finalement. Masse, t'es dragué pendant 4 ans. Normal. Une fille raffinée comme moi doit être draguée longtemps. En plus, vu la classe sociale de mon papa, je me dois d'être sélecte. Il fait encore quoi, ton père? Ah, c'est le ministre des Finances du pays. Fontaine! Et moi, je suis sa fille unique. Donc, je gère tous ses business. Ah, ça? C'est sûr que je cours même dans le sac comme ça. Mais non! Dis pas ça. Vu comment tu insistais, je me dis que tu es un gars bien. Donc, pourquoi ne pas donner ta chance après tout? En plus, pour un premier rendez-vous, ce n'est pas mal comme endroit. Bon, quoique, je ne fréquente pas souvent ce genre d'endroit. Hein. Ah, désolé Sylvie, désolé. C'est rien, c'est rien. En passant, tu peux m'appeler aussi Amber Rose. Hein. On ne peut pas me dire souvent qu'il ressemble à Amber Rose. Ah, il n'a pas tort, hein. Il n'a pas tort. N'est-ce pas? Le rôle est bon. C'est quel âge? Je pense que c'est un 2018. D'accord. Moi, si le vin ne dépasse pas Jésus en âge, je ne bois pas. Bonjour madame, bonjour monsieur. Bienvenue à Wolowo Shop. Mon nom c'est Sandra. Puis-je prendre vos commandes? Pardon? Il y a un problème madame? Non mais excusez-moi. Mais c'est quoi cette tenue? Vous êtes serveuse ou voleuse de copains? Calme-toi Amber. C'est que... Non. Mais c'est qui le propriétaire ici là? Je vais faire fermer cet endroit. Elle se place à moitié nue devant moi, pourquoi? Excusez mon apparence, c'est l'uniforme de la maison. Hein? C'est ce que je voulais te dire. Toutes les serveuses ici là sont habillées ainsi. C'est juste une politique hein, pour attirer une certaine catégorie de clients. Là. Mais au fond, toutes les jeunes filles ici sont très respectables et polies. Pardon, ne la juge pas seulement. Ah, elle a la chance. Désolé, mademoiselle Sandra. Vraiment, désolé. Il n'y a pas de quoi. Je suis là pour vous servir. Il y a quoi à manger? Il y a quoi? Nous avons du poulet braisé, du poisson braisé. Des gambas sautées, le coquille banane, le risotto, le ndolin, le mungo chobi, et comme complément, du plantain vapeur, du riz parfumé, des frites de pomme et du bâton de manioc. Donnez-moi deux poissons avec les bâtons. Continue. Un plat de ndolin, le plantain, avec... un autre ndolin avec le riz. Chai. Donc vous coupez même 1 kilo de coquille, Jésus, vous mettez à côté. Et je prendrai aussi 1 quart de poulet avec les frites de pomme. Vous dosez le piment, hein, Amber. Dosez le piment. Amber. Quoi? Easy, c'est pas un peu trop. Non, t'inquiète. C'est que j'ai fait le régime de 4 jours. Après tout, hier bon, je fais une sorte de rappel. Donc je reprends le régime que demain. Donc je mange aujourd'hui. Ce sera tout? Non. Tout comme tu me mets le bongo chobi à emporter. Jesus, tu mets trois bols. D'accord, et vous monsieur? Non, ça va, merci. Son appétit là, c'est pour au moins 12 personnes. Hein. Je suis parmi les 12 personnes là. Donc, juste un verre d'eau pour pousser le vin, ça va pour moi. D'accord, on vous apporte ça tout à l'heure. Tu as déjà vu quoi? Tu pensais qu'une fille belle et riche ne mange pas? En passant, j'espère que tu vas pas faire les plans de mon goulouk. Hein. Non, comment? Après la nourriture, je rentre. Dans ma suite, je me repose. Je ne suis pas le genre là, comment? En plus, la fille d'un ministre, on ne brusque pas le genre là. Voilà, tu connais. Excusez-moi, madame, monsieur. Votre repas est prêt et arrive en ce moment. Je vais. Hé! Hey! Amber! Amber Rose de Bétanga, ma copine, tu fais quoi ici? On se connaît. C'est ça, ma copine, tu es le modèle là, tu sais. Ok, vous connaissez? Oui, c'est ma voisine au quartier. On loue là-bas vers Bépanda sans caleçon. Jésus! Elle vend le kaolin à côté du call box de mon gars là. Aïe, mi. J'ai moi dit, Sandra me sort une grosse commande et me dit que c'est pour une fille. J'ai crié, oulilililililili, qui mange comme ça? Je viens de voir que c'est Amber Rose de Bépanda. La fille s'y mange plus que les invités du deuil. Écoute pas, chérie. D'ailleurs, quittons cet endroit bizarre. Hey! Jusqu'à un Watis. Ma copine, laisse le gars t'aimer comme tu es. C'est comme ça que le mariage sort souvent, que pium. En plus, vos plats sont cuits, donc vous devez payer. Même si vous ne mangez pas, la facture, ce sera même dans les 35 000 comme ça. Vous voulez payer la fille d'un ministre? Mais quoi, papa?
Ma copine a fait fort. Mon beau, son père fang le bois des dos, on l'appelle Rambo. Il peut fangler 4 baobas en un jour. Bon, de toutes les façons, reste gérer ça. Moi j'ai déjà payé le vin, dis donc. Bye, pardon. Attends chérie, tu vas. Ok, il part. Et la facture. Ma copine a mis les organes, hein. Wanga ta mère. Tu comprends, non? Regarde comment tu as gâté mon rendez-vous. Toi aussi, je t'ai déjà dit de ne plus mentir. Tu as trouvé les défauts. Dis-moi le camp, sorcière. Tu voles, tu manques, tu bagarres le quartier, tu pètes. Tous les défauts, maman. Il faut être vrai avec les hommes. Peut-être que si tu lui disais même que tu loues la chambre 2000, il allait t'aider. Qui t'a même recruté ici là? Il m'a balogma. Il est m'insulter, tu prépares déjà l'argent de la facture. Hein? Tu sais que même 1000 francs tu n'as pas. Donc dirige-toi déjà dans la cuisine là-bas. 35 000 là, c'est un mois de salaire. Donc tu vas laver les plats ici même pendant un mois. Hein? Indien, félicitations, tu es embauché.